Salut, je m'appelle Cyril Kekli, je suis le scénariste, réalisateur et monteur du court-métrage Thief qu'on a réalisé pour le concours My Road Real 2017. Salut, moi c'est Pierre-Jean Codegno. Je suis le co-réalisateur et je me suis occupé de tout ce qui est cascade pour le court-métrage. Alors, l'idée du court-métrage, je l'ai eu 2 semaines avant la date limite d'entrée. On a réalisé le court-métrage 5 jours plus tard et pendant les 5 jours qui restaient, on l'a monté. On a bloqué beaucoup de scènes le jour d'avant. On s'est rendu sur les lieux. Et après, c'était surtout, on a improvisé pour moi, pour les cascades. Et puis, on s'est un peu coordonné, quoi. On a pris le son le jour du tournage avec le Rode VideoMic Pro et puis après il était branché sur un Zoom H5 pour avoir une qualité de son correcte. Après sur le tournage aussi on n'a pas pris le son que pendant qu'on tournait, on a aussi dû refaire certaines prises seulement pour l'audio parce que comme c'est pas mal de plans séquences, l'ingé son ne pouvait pas tourner autour de la caméra, on le voyait forcément, comme on peut le voir là par exemple. Et puis, du coup, on l'a refait la scène par après uniquement pour le son. Comme caméra, on a principalement utilisé l'Osmo justement en 4K et puis en 24 mm pour avoir un grand champ de vision. Puis après, on a aussi utilisé le Canon 700D avec un 50 mm et un 70-200. Le 50 mm, c'était pour les scènes d'intro où il fallait une focale normale. Puis après, on a pris le 70 mm pour les scènes de combat en fait pour pouvoir donner justement plus de dynamisme puis pour redonner du mouvement avec la caméra. Alors j'étais super loin en train de filmer mais après l'image elle est beaucoup plus compressée puis ça donne du dynamisme au combat en fait. Ouais, alors c'était super cool de travailler avec Cédric, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec lui l'année passée et cette année on a fait un truc un peu plus développé et mieux réalisé on va dire. Puis ouais, pour finir, c'était super cool de réaliser ce court-métrage, on espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez regarder, parce que si vous ne l'avez pas encore vu, je ne sais pas ce que vous faites là. Nous, on s'est bien marré à le réaliser, en tout cas. C'était chaud en termes de temps, mais autrement, c'était bien marrant. C'était sympa de pouvoir balancer un peu des cascades et puis plus d'action que dans le premier court-métrage. C'était quand même vachement plus technique, puis il fallait discuter, c'était intéressant, donc voilà.